Mesdames et messieurs taureaux, bonsoir. Voici votre tirage du 1er au 15 octobre 2023. Allez, pour les taureaux, comme je le disais, pour les béliers, euh, si vous êtes taureau ascendant bélier, taureau ascendant sagittaire, il y a encore une belle fenêtre de temps pour vous du 1er au 15 octobre. Ensuite, on arrive donc sur la nouvelle lune et puis ensuite sur la lune noire. Alors, je ne sais pas si je vais encore faire le tirage sur la lune noire parce que c'est un gros morceau quand même, mais euh, je pense que... Je ferai plutôt des, euh, des vidéos sur les signes hein, par rapport à leur part d'ombre. Voilà. Mais bon, ça, c'est autre chose. On en profite du 1er au 15 octobre. On continue donc sur de bons aspects planétaires, toujours avec ce Jupiter, euh, ce Mars qui rentre en scorpion. Euh, on est vraiment là euh, encore dans, dans vraiment une, une belle fenêtre. Allez, on y va. On va commencer avec vous, les taureaux. J'espère que vous allez tous très bien. Hop, allez, on a la carte qui nous accompagne tout au long du jeu. Le bâcleur, tiens. Alors si vraiment vous êtes euh, taureau ascendant, bélier ou si une lumière bélier, il y a un coup de chance qui se prépare pour vous. Allez, ce qui ne veut pas dire pour les autres taureaux, non, mais là c'est très prononcé. Ok, allez, pour ce euh, bâcleur, donc on a recommencé quelque chose, on commence quelque chose, on a remis sur table. En tout cas, ce bâcleur, ce qui est bien avec vous les taureaux, c'est que ça redonne toujours un flux de jeunesse. C'est-à-dire au niveau de, des pensées, au niveau de l'intelligence, au niveau des... Euh, au niveau du cœur. Donc, si vous voulez, il y a toujours une jeunesse qui se, qui se, qui se manifeste en vous euh, par rapport aux choses de la vie. Donc c'est bien, c'est-à-dire que vous arrivez euh, à vous adapter et à vous remettre en cause si vous sentez quelque chose qui n'a pas marché. Vous le faites bien, vous le faites euh, d'une façon très... Comment dire euh, comme si vous étiez un apprenti même si vous êtes dans la maîtrise ça ne vous dérange pas de vous remettre un petit peu en apprenti pour pouvoir euh, renforcer en fait votre euh, maîtrise ok allez on va voir un petit peu avec vous les taureaux c'est parti avec les fées les lutins hop donc ok allez on y va le lutin farceur. Alors j'ai le lutin farceur et j'ai le battleur. Ok, on est vraiment euh, dans cette façon de rigoler de soi aussi. C'est-à-dire que le taureau, euh, de par ses erreurs, vous allez plus les accepter, on va dire, en rigolant de votre propre erreur que euh, de euh, culpabiliser ou de pas être bien avec ça. Donc ça, c'est une façon aussi, lutin farceur, euh, pour, voilà, d'alléger en fait quand vraiment il y a quelque chose que vous sentez que vous avez fait mal, vous allez vite vous récupérer avec. Euh, une plaisanterie ou en disant oui effectivement, effectivement. Mais euh, pourquoi Parce que le, le Taureau en ce moment avec Jupiter, il y, a, il y a comme il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Euh, aussi, comme tout le monde peut avoir un aspect un peu maladroit, donc il se récupère assez vite le Taureau. Bien. Bon, allez, j'ai la parole du lutin, on est dedans. Et puis j'ai la cabane du lutin. Alors j'ai une parole de lutin et la cabane du lutin, c'est-à-dire au niveau de votre parole les taureaux vous êtes hyper ferme euh, c'est-à-dire qu'avec ce battleur même c'est-à-dire deux fois c'est-à-dire c'est bien ça veut dire que euh, il n'est pas lieu de vous déranger au moment où vous récupérez en fait quelque chose c'est-à-dire dans, dans votre propre formation euh, la formation à soi c'est-à-dire dès que vous avez besoin de fermer la porte pour être seul pour réfléchir pour, euh, pour travailler sur quelque chose euh, on a un taureau dans la solitude, seul, et qui se renforce, en fait. Ça ne veut pas dire que vous allez être seul du 1er au 15 octobre. Ça n'a rien à voir. C'est juste que vous avez besoin, en fait, peut-être d'être un petit peu plus reculé, on va dire, euh, du monde, pour pouvoir euh, maîtriser. On est vraiment dans une, une espèce de maîtrise avec vous. Euh, vous avez besoin de contrôler quelque chose, vous avez besoin peut-être aussi vous de travailler sur vous-même. Et là, du premier au quinze, c'est exactement ça. Quand, Alors ça, bien sûr, comme je dis à chaque fois, c'est le respect de l'autre. Si vous, si vous dites à quelqu'un, bah, écoute, pendant une journée euh, ou sinon, je, je, je dois rester un peu dans ma tanière parce que j'ai besoin, le taureau a besoin de sa tanière aussi. Euh, là, c'est plutôt ça, et ça vous renforce encore, encore, et encore, et toujours sur les influx de, de jupiter. donc, mon conseil serait que quand vous sentez que vous avez besoin de vous retirer un petit peu, euh, parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui est mal, euh, qui est maladroitement, euh, comment dire, euh, arrivé, euh, faites-le, faites-le, mais vous le prononcez, c'est-à-dire voilà, là, je prends du temps. Du temps. Alors, ça peut être aussi en voiture, ça peut être aussi dans un endroit que vous aimez, mais plutôt seul. Voilà, j'ai plutôt un taureau qui a besoin, en fait, avec ce, comme ce battler, en fait, d'être sur sa table et de bien euh, le brouhaha pour le taureau, là, du 1 au 15, c'est pas possible. Vous voyez Et comme on passe à l'action pour moi dans la pleine lune, là, vraiment, on est dans une action euh, entre soi, avec soi. Enfin, vraiment, l'action avec soi. Ok, on va, hop, descendre le jeu avec Mademoiselle le Normand, hop là, bon, ok, et voilà, bien, allez, finalité Renaissance et chaos, donc sur celui-là, je vais continuer le jeu, allez, on est encore dans les étoiles, bien sûr, et la maison, 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 les taureaux, ok, maison, on avait compris, hein. peut-être que ça y est, c'est l'été, donc enfin, c'est est, est, l'été fini, besoin d'être beaucoup dans sa maison. Donc ça me dit aussi qu'on change un petit peu les meubles de place. On est en train de refaire aussi sa maison. On a besoin euh, d'être confortable autrement. Voilà, les taureaux aussi. Et puis j'ai dans la tête aussi des taureaux qui veulent s'aménager des pièces à eux. Bon, ça après vous voyez, par rapport à vous. Mais ils ont besoin de leur euh, tanière, encore une fois. OK. Allez, sur euh, celui d'un farceur. Donc finalité, renaissance et chaos, vous avez besoin, encore une fois que quelque chose se finisse, alors ok, euh, se finisse, mais alors là vraiment pour ceux qui sont en fin, c'est-à-dire vraiment de, euh, comme vous savez, on, le deuil, ça, c'est plusieurs étapes. Si vous êtes en fin, là il s'agit vraiment de, euh, de, de, de souffler, mais de souffler encore avec votre enfant intérieur. Ça y est, c'est fini. Alors, le lutin farceur, c'est pas l'enfant intérieur, on est bien d'accord. Mais pour moi, ça me dit ça, c'est-à-dire, euh, ça y est, on a soufflé. Je protége, j'ai protégé donc euh, euh, mon enfant intérieur un maximum. Je me protège à moi euh, de tout ce qui a pu se passer. Vous voyez Et si vous êtes en plein milieu, ben, là encore dans les étapes, c'est pareil. Il y a une finalité qui se fait. Vous avez mis en route quelque chose qui déjà va s'arrêter. Ok. Euh, donc ça peut parler de plein de choses. Alors, pour le coup, ça, ça, pour vous les Taureaux, mais il s'agit à un moment de, de… comment on pourrait dire ça D'alléger, d'alléger en fait ce qui se passe. Alors, facile encore une fois, mais le deuil, effectivement, c'est très compliqué. Moi, j'en ai vécu plusieurs, mais je sais que j'ai un espace de temps maintenant où j'allège, où je me dis, euh, effectivement, tout ça prend sens, vous voyez Et en me disant ça, que oui, ça prend un sens, euh, là, j'arrive beaucoup plus à m'alléger. Ça, vraiment, c'est pour... Vous euh, voyez, par rapport à vous, c'est très personnel. Et comme c'est une guide en général, là, c'est vraiment personnel. Ensuite, sur ta parole, parole du lutin, donc si votre parole à vous, elle vous amène vers votre, votre propre succès et votre création. Très persévérant le taureau, comme d'habitude. Hein donc, on est persévérant dans ce qu'on fait. Et c'est peut-être pour ça, avec ce battleur, qu'on remet peut-être des choses en cause. Mais en tout cas, il y a une parole qui est dite. Un chemin qui est pris, une... et on travaille beaucoup dessus. Les Taureaux, on travaille beaucoup dessus. Je vois pas énormément de fatigue pour le Taureau. Je vois plutôt qu'avec ce Mars en Scorpion, on va tous se mettre au sport. Ça c'est clair si vous vous êtes pas déjà mis. Mais en tout cas, là vraiment, on a besoin d'aller au... au moins pour parce que comme si vous restez en intérieur, si vous restez plutôt seul, faut faire beaucoup bouger le corps parce que lui sera toujours un peu à l'arrêt et bien sûr. Bah du coup c'est QFD quand même, plus un égale 2. Si vous êtes trop assis pendant 8 heures, oui, à un moment donné, allez marcher ou vous faites du sport. Là. On ne relève pas du coach astro là, on relève d'une logique. Donc là, vraiment, euh, continuez sur ce qui, ce qui sur votre objectif, faites-vous confiance des taureaux, encore une fois, puisque ça part toujours vers le succès, votre confiance. Et puis, comme je vous dis, on n'a pas besoin de vous dire ah oui, mais peut-être que tu devrais euh, refaire ci refaire ça, vous le savez. Vous savez ce qu'il faut refaire, vous savez, ou ça pêche, vous savez. Donc là aussi, vous avez une certaine souplesse dans les mains et vous savez comment faire. Et puis j'ai la maison. Donc la maison, beaucoup dans la maison, on réaménage peut-être sa maison, on change de maison, euh, on décore la maison. Et puis j'ai cet esprit de, encore une fois, le taureau a besoin de sa tanière. Voilà, j'ai besoin de mon endroit. Alors ça aussi, c'est perso pour tout le monde, mais... J'ai besoin de mon endroit, j'ai besoin de quelque part où je me sens bien. Bien, donc avec ma décoration, avec ma musique, avec euh, mes couleurs, avec vous voyez, quelque chose qui vous ressemble. Vous avez besoin que votre maison, enfin votre pièce, en tout cas, si vous faites votre manière, hein, pour le coup, vous ressemble. Et là aussi, on bûche pas mal. Parce qu'avant de trouver des fois des, décor des décorations qui vous ressemblent, ça prend un temps. Ça prend quand même un temps. Pour, et ça libère aussi le taureau. Il a besoin de sortir des choses et que ce soit donc en visuel et plus vraiment à l'intérieur. Ok. Et puis bien sûr, dans la logique, c'est des choses qu'on jettera peut-être par la suite parce qu'on évolue et que la décoration évolue avec vous. Allez, on y va. On va regarder avec le Béline. Non. Elle est là. Ah ben, elle a voulu tomber quand même, elle. Hein oui. Ok. Moi je sors. Allez des nouvelles. Ok, on a des nouvelles, on a des alors des, peut-être des relances euh, donc par rapport au deuil que vous êtes en train de faire. Il y a des relances, mais là aussi encore une fois comme je vois un Taureau qui est plutôt sur lui et qui essaye donc de faire son travail lui-même au niveau des relances. Euh, bon, on va on va aller. Ça, ça c'est vraiment alors. Vous connaissez un peu à me connaître, mais il y a des choses que je veux bien toucher avec vous lecture intuitive, bidon le général, il n'y a aucun souci, mais alors il y a vraiment des choses qui sont personnelles à chaque personne. Là, ce que je ressens surtout, c'est qu'il euh, y a des nouvelles, et il y a aussi une bonne nouvelle qui arrive vers vous avec cette, cette, ces étoiles, en fait. Donc, c'est encore l'étoile, euh, un repère qui peut-être euh, vous dira une phrase ou en tout cas vous enverra un message qui pourrait tout changer. Alors, ça, après, c'est à voir. Je vous laisse vraiment euh, là avec trois petits points. Je ne vais pas plus loin. OK. La réussite, elle voulait tomber celle-là. Vous l'avez vu La réussite pour le taureau. On est toujours dans son mode de réussite parce que vous êtes votre propre chef. Tout simplement, en fait. C'est-à-dire que vous savez comment vous gérez. Euh, là, vous vous gérez presque, pour certains taureaux, comme une entreprise. Donc, <laughs> vraiment, on se gère. Et puis, on a une parole ferme. C'est-à-dire, je tiendrai jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mes erreurs sont mes erreurs, mes succès sont mes succès. Euh, voilà, c'est-à-dire que c'est de votre responsabilité, c'est vous. Ok. Et puis au niveau maison, j'ai la beauté. Et ça, la beauté, oui, on veut embellir sa maison. On a besoin d'embellir sa maison, on a besoin d'être de, euh, de, bien chez soi. Puis il y a des choses qu'il faut bouger, puis il y a des choses qu'il faut enlever, des choses qu'il faut acheter, des choses qu'il faut vendre, des choses qu'il faut jeter. Vraiment. Il y a beaucoup de choses qu'il faut jeter. Et vous voulez vraiment embellir, en fait, parce que... En vous, si j'ai cette réussite, j'ai ces étoiles, j'ai tout ça, et bien sûr, qu'autour de vous, vous des choses belles, vous voulez des choses qui vous amènent vers le beau, la beauté, euh, c'est vraiment important. Alors, c'est galvanisé en ce moment la beauté euh, dans, notre, euh, dans notre monde, mais euh, la beauté, je vous invite très franchement à lire. Je crois que c'est l'analytique du beau, ou je ne sais plus, euh, de Kant, si je ne me trompe pas. Enfin bon, il y, euh, y a tout un principe sur la beauté. Et euh, vous avez besoin d'être entouré de beaux, de beaux qui vous parlent. Et alors plus en douceur, hein, sans moins saccadé quand même. Donc là, donc une décoration plus douce, on va dire. OK. Bien pour les taureaux. Allez, on y va. On va regarder donc au niveau de la nouvelle lune, euh, oui, nouvelle lune du 14 avec mon battleur. Donc vous avez déjà le tirage de la pleine lune qui est en ligne et qui est en mode action. Hop Foro. Hop, là. Ah, j'en ai deux. Allez, comme mon bélier. Ok. Protection. Bon, allez, protection. Les murs. Ok, ça va, on a compris. Ils seront... On ne vous embêtera pas. <laughs> Je au 15. Et c'est en vous, ça amène une certaine guérison. Alors, faut-il être, pour certains, euh, en soi, pour guérir, euh, de vous protéger peut-être de choses superficielles, qui n'a rien, rien à voir avec le beau hein. euh, superficielles, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus profond, seul, euh, d'en parler, mais vraiment comme ça. Si vous avez besoin d'en parler, bien sûr, vous savez très bien que moi, je conseille toujours d'en parler à des personnes de confiance, des, des personnes vraiment qui sont faites pour ça, dans l'écoute. Euh, mais qu'une personne, pas besoin d'en parler à tout le monde, vous voyez Et il y a une certaine guérison, et le taureau se fait seul. C'est une façon de se. C'est comme un sculpteur, en fait. Il, va, il sculpte son, euh, euh, ouais. son intérieur. OK. Allez, on y va avec la petite carte. Le 5 de Pentacle, c'est le symbole de l'argent et des revenus. Les temps difficiles sont sûrement derrière toi. On avance d'un point de vue matériel d'un point de vue financier. Euh, comme je le disais pour les béliers, très important, on est dans une économie aujourd'hui qui n'est plus de marché, mais une, une économie donc euh, directive. C'est-à-dire, euh, euh, on n'est plus pareil, hein, on ne parle plus pareil, on ne vend plus pareil, on achète plus pareil. Il euh, y a quelque chose qui se fait aussi de ce côté-là, le taureau il a besoin de bûcher sur les évolutions, sur les changements qui sont en train de se faire pour pouvoir les pour les investissements d'argent ou comment demain on fera de l'argent. Ok. Allez, je vous embrasse très fort les euh, taureaux. Passez une bonne quinzaine euh, en octobre. On verra, nous, pour le, le, le tirage de la nouvelle lune et de la lune noire aussi, parce que le 25, c'est la lune noire. Voilà, je vous embrasse. À bientôt.